Mesdames, Messieurs, bonjour. Prière de vous mettre debout pour entonner l'hymne national. Les bras le long du corps pour entonner l'hymne national. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Prions le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour nous, envoie-nous l'Esprit Saint afin de renforcer la flamme d'amour qui brûle chaque jour en nous. Amen. De mon cœur, Seigneur, a jailli un merci.
Dans un morceau tout à fait spécial intitulé Comme un enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui va passer au loin des oiseaux, comme un oiseau bleu sur le bord de la terre, voir comme le monde est beau. Le bateau s'enfonce sous les vagues qui brûlent vif d'amour et de vent. Belles chansons mais sortent des vagues abandonnées au sable blanc. Dans l'innocent, le sort du poète qui en chantant invoque l'amour pour que la vie salue le fait. Et que la nuit se change en jour, jour d'une vie, le nom de se lève. Pour réveiller la ville, on se loue, pour le matin, et faites de vagues. Prenez au sable blanc l'innocent, le sang du poète. Qui en chantant invente l'amour.
Applaudissez-les, s'il vous plaît. Mes tambours s'entendent rassemblés au souple, et l'entente séparée, tant pis, fait loin de racine.
apprécions les filles de la classe des Marguerites dans un sketch, les métiers. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La ronde des métiers, qui est passionnant tous les matins de voir s'affairer des grandes personnes, des abeilles d'une ruche pour de notre elle bon, et bien le cœur joyeux et sans aucun répit. Quand voyez-vous mes amis, chacune d'elles avec joie se dirige résolument vers le lieu précis où se travaille le médecin et l'ingénieur. Maintenant, regardons à la marche ou un chauffeur de taxi. Ces personnes se côtoient pour exercer leur profession dans le but certain de faire progresser la terre. Quand je serai grande, je serai médecin, je soignerai tous les malades. Quand je serai grande, je serai maîtresse d'école. J'apprendrai aux enfants à lire et à écrire. Quand je serai grande, je serai chanteuse, un artiste. Ça embellit la vie et ça fait rêver. Je chanterai maintenant à l'heure des diens mes plus jolies mélodies. Alors la terre entière chantera en chœur quand j'aurai chanté. Quand je chante, quand je chante, quand je chante, ça va. Quand je chante, ça va. Quand je chante, ça va. Le bicolore vise dans le ciel clair ou dans la mer d'azur tout le bleu qui s'y cache. Et de nos flamboyants de l'été, tu retiendras de toute ta force. C'est rouge, éclate et vermeille. Rapproche ces deux couleurs le plus étroitement qu'il est possible de le faire. Et alors, il naîtra sous tes yeux l'alliance la plus belle qui soit. Tu viens de recréer simplement le drapeau d'Haïti. Applaudissez-la chaudement. Youpi, youpi. Apprécions les filles dans un morceau de flûte. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Thank you.
personne ici a un prénom, les uns différents des autres. Afin de leur identifier, accueillons les Dahlias dans une poésie intitulée « Mon prénom ». Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mon prénom est une succulente. Quand on me demande comment je m'appelle, je suis fière de dire mon joli prénom que m'a donné un jour mes très chers parents. Mon prénom est une musique et tout ce qui me comprend me foisonne. Mon prénom est une succulente saveur. On m'a souvent envie de déguster et je suis autour de m'embrasser. Voulez-vous savoir comment je m'appelle? Je m'appelle Teresa. N'est-il pas beau le prénom que je porte? Applaudissez-les. Apprécions les filles dans une danse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous la chouette.
Je n'ai rien entendu. Oui, pipi. Écoutons à présent Lindor Christie dans les mots de remerciement. Chère sœur de Titane, chère directrice pédagogique, chère professeur, chers parents, chers amis, chers camarades, la cérémonie touche à sa fin, ainsi que cette année scolaire exceptionnelle. Au nom de toutes mes compagnes, je remercie le Seigneur de nous avoir permis de boucler ce cycle des apprentissages qui constitue une étape importante de la vie scolaire. Sans votre présence, nous ne serions pas là. Comment ne pas dire merci ou exprimer nos gratitudes envers nos infatigables directrices, sœur Myrta Morcelin et sœur Nislinia Tétan, pour leur dévouement et leur patience. Merci d'être toujours disponible pour nous épauler. Un merci sincère à notre directrice pédagogique, Madame Myriam Lubin, qui nous a accompagnés dans nos études tout au long de cette année. Un remerciement spécial à nos chers professeurs pour avoir ressenti tant de sacrifices. Nous sommes très reconnaissants. Nos plus sincères remerciements vont également à nos parents qui ont été toujours là pour nous encourager. Chers parents, nous sommes fiers de vous et nous vous aimons beaucoup. Nous n'oublions pas Madame Adeline et tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation de ce grand événement. Que Dieu continue à nous gratifier de ses dons pour faciliter notre adaptation à l'école fondamentale. Merci à tous. Je vous demande de l'applaudir chaudement. Bravo Christine. À présent, les dahlias et les marguerites vont chanter le chant de remerciement. Thank you.
dans le chant d'adieu. Y lo no lo sé.
Aún cúlana y lo no lo sé.